la corde zigzag. Tu sais que le premier tour de magie que j'ai vu dans un spectacle quand j'étais petit, c'était la femme coupée en deux. Toi aussi ? On mettait une femme dans une boîte, et la femme, elle était coupée en deux, et à la fin, elle était recommodée, reconstituée. C'était incroyable. Bah écoute, je vais te le montrer aujourd'hui. Tu vas pouvoir le faire, mais dans ta poche, toujours avec toi, avec une corde et une boîte. Cette corde, ça va être notre femme. On va la mettre à l'intérieur. Déjà, avant ça, tu vas la vérifier, s'il te plaît. Je peux, ouais. Ouais, c'est une corde, quoi. Oh, c'est une corde, hein. C'est une corde. Je vais mettre la corde à l'intérieur de la boîte. Ok, ok. Et tiens, il y a le bout qui dépasse. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, tirer le bout? Je tire le bout. Ouais, elle passe vraiment à l'intérieur. Je confirme. Ouais, regarde. Je vais tirer lentement, ouais, comme ça. Et au feeling, quand tu le sens, je vais faire bien, que tout le monde voit bien. Au feeling, quand tu le sens, tu me dis stop. Stop. Stop ici? Ouais, encore un peu plus. Encore un peu, encore. Stop. Ici? Ouais. Très bien. Regarde bien. On a vraiment l'illusion que la corde est coupée en deux. Ah, tu vas me dire, elle est vraiment coupée. Elle est vraiment coupée. En réalité, non, les amis. On peut voir à l'intérieur. Ah, tu peux vraiment regarder. Je vais tourner comme ça. On va voir à l'intérieur ici. C'est vraiment coupé. Et comme je t'ai dit, je peux tenir? Oui, bien sûr. Comme je t'ai dit, ça s'appelle l'illusion de la corde coupée en deux. Ça s'appelle la corde zigzag.